Allez, allons-y, salut YouTube. Oui, donc, attaquons. Bah, c'est la garnison autour de la pyramide noire. Normalement, je dois pouvoir m'en sortir avec pas trop de problèmes. Faudra voir ce qu'on fait de la pyramide noire après, par contre. Si je la pille, je vais me faire un peu de thunes, c'est certain, mais est-ce que c'est ce que je veux? Si je la prends, ça laisse Khemri tout seul. Mais il y avait Tic-Tac-Toe qui était juste à côté, donc à la limite... Bon après, Tic-Tac-Toe, je sais pas ce qu'il va faire. Hein. Si ça se trouve, il va se barrer. Me laissant seul face à mon destin. Et là, ce sera moins marrant. Que Khemri, ça rapporte, hein. Non, je sais pas, on verra après. De toute façon, là, j'attaque l'armée, pas la ville. Ah oui, attends, oui, oui, lui, il a une armée nulle. Et là, il y a deux armées qui viennent. Le terrain est pas giga favorable aux unités de tir, sauf là. Oh là, par contre, il y a un petit couloir, là. Oh, il y a un petit couloir de tir, là. Ouais. Donc ici, je pense qu'on va rusher avec eux pour aller s'occuper de ceux-là. Je crois que tu restes là. Toi, tu vas aller de l'autre côté. Les Yamiboro vont charger avec les deux autres. Bah, les Géloc aussi, tiens. Ouais, comme ça, on va gérer leur cave rapidement. C'est bon, j'ai tout. Allez! Pour une fois, je vais utiliser ça. Bon, ça va partir très vite. Elle va au corps à corps, comme ça tu pourras claquer le bonus de... plus 24. Paf! Ah ouais! Oh mais t'avais qu'à pas être en slip. Ouais, tout de suite, quand on n'est pas sur Sphinx, ça rigole moins. Hein. Ouais, je veux pas dépenser de bande magie pour l'instant. Quand ils vont arriver, eux, ils vont le sentir passer. Oh, c'est fou l'infanterie en plus. Ouais, les kryptonautes vont ouvrir le feu, ça va chauffer. Ils sont pas encore morts, hein. On va venir taper les Géloc ici. Du coup, ça, on va plutôt les mettre là. Ça ne craint plus rien. Oh, la charge en descente, ça va être monstrueux, ça. Attends, des renforts. Oh, oui. C'est un cri de douleur de la part du PC de jeu, ça? Eh, hey, bonne chance, hein! Alors, viens là. Je crois qu'il a chaud. Combien de temps? Ah oui. Bon bah, écoute. On va se décaler un poil. Ah. Fire! Piu. Chargé! Oh la vache!
Attendez, avancez un petit peu vous, parce que là j'aimerais pas... Ouais mais pas trop. Merde, je suis un peu loin avec Croak. Oh ouais, les spectres ils font mal hein. Les émissaires d'outre-tombe plutôt. Ah oui mais il a ça. Attendez, attendez. Prépare-toi. Elle est partie l'autre. Elle est partie. Joli. Ah merde. Bon ok, venez vous. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Alors attendez, les cryptonautes. Vous avez des choses à pilonner là-bas. Ouais, toi tu vas... Mais foutez la paix à mes Duras donc, les deux Exa. Wow. Quoi qu'il aime pas. Ce serait bien de détruire la catapulte par contre. Hein. Voilà, comme ça vous me lâchez. Oui mais il peut aller jusque là. Essaye de sortir de là toi. Ouais, ce serait bien que vous sortiez de là aussi parce que les gardiens des tombes avec les halbardes, c'est pas ouf. Peut-être un peu fondre celui-là, il m'ennuie. Ok, Krogar, il est bien là. Bon, attendez, la catapulte là, je l'ai assez vue. Bah alors, il veut pas fondre lui. Ok. Pas la peine de prendre des dégâts. Qui a pris un peu là? Toi je peux te soigner éventuellement si l'autre il... Ah il va crever. Vite. Ah trop tard. Il y en avait quelques-uns. Hein. La bonne grillade. Ils sont encore plus secs que quand ils ont commencé. Donc là, ouais, qu'est-ce que je fais de la pyramide noire? Je pense que ça vaut le coup d'essayer de la prendre. Hein. Ça me permettrait de déplacer le combat légèrement vers l'ouest contre Arcane, lui enlever une pyramide majeure. Il y a deux autres armées à côté, mais je peux les affronter. Et tic-tac, ouais, il faudrait que... Ah oui, mais s'il reste à côté de moi, ça, c'est pas cool. Ah ouais, mais Khemri, ça se... Oh là là. Attends, je peux déjà faire ça. Pour l'instant, de toute façon, je peux pas aller bien loin. Je vais quand même le prendre, on va voir. C'est pas dit que je le garde, mais... Ça c'est quoi? Capacité de réserve de puissance de vente de magie plus 15 pour toutes les armées. Rang du seigneur recruté plus 3 dans toute la faction. Résistance au sort 10%. Rang du héros recruté plus 3 dans toutes les provinces. Corruption vampirique plus 20. J'ai de quoi recruter des gardiens du temple. Ah non non parce que j'ai pas le... J'ai pas l'armurerie. Alors c'est triste pour les 19 mois. Ils sont chiants à me foutre une réunion pendant que le patron stream. Il y a des priorités dans la vie dans un an, merde. Ce non-respect des priorités. Mes parents burn-out. Non, ça, ça marche jamais, hein. Combien, là? 30%.
Je vais l'utiliser surtout pour aller vérifier ce qui se passe. Est-ce qu'il est toujours en guerre contre Bélégar, l'autre? Il est toujours en vie, Bélégar? Ouais, il est toujours en vie. Plus que 17 colonies, bah quand même 17, hein. Ça faiblit pas tant que ça. Oh, il est niveau 20, lui, trop bien. Devrait aller chercher l'attaque éclair maintenant. Ok. Ça, ça a été bougé. Bon, faut espérer que Khemri... Mais Khemri peut pas se prendre un assaut tout de suite. Pas tout de suite. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est de... Ici, ils vont venir rechercher la pyramide noire. Et si Wurzak descend sur Khemri... Mais c'est pas dit qu'il va le faire, parce qu'il y a Manfred, là. Ouais, faut voir. Faut voir. Et il y a Tic Tac aussi. Ouais, mais je sais pas où il va aller. Ah, bah voilà, il va vers l'est. Oh! Ah, il fait ce que je lui ai demandé. Ah oui, bien, oui, pour prendre Oumas. Vas-y, ça m'arrange. De toute façon, Wurzak reviendra après, on verra bien, mais... Tic Tac pourrait être un bouclier par rapport à ça. Ah, lui, il avance, mais pas beaucoup. Manfred est toujours là. Il est sorti des marais. Donc, est-ce qu'il va avancer vers les armées de Wurzak? C'est possible. En tout cas, ça pourrait l'occuper. Oh, le petit 8700 balles! Des guerriers à bouclier bénis, c'est pas mal ça. 750 prisonniers de bataille, parfait, ça va venir tout seul. Ah, je suis pas sûr que Wurzak va venir, surtout que Tic Tac a avancé, c'est parfait! Là, faut continuer dans les montagnes, on n'a pas le temps. Ça, c'est le projet. On réfléchit pas, on avance. Voilà. Comme ça, j'ai la province. Croissance et revenus, évidemment. Oh la merde, c'est ici que ça m'inquiète. Hein. Après, je sais pas comment il va réagir. Oh. Il va venir avec tellement d'armées. En plus, c'est roi des tombes. Là, on est face à des rois des tombes puissants, quoi. Arcane a beaucoup de... Oh! Attends, juste pour le fun, il serait prêt à mettre combien? Pourquoi? J'ai regardé, pourquoi? Ah, je viens de lui prendre la pyramide noire en plus. Avec 15 000 quand même. Hein. Non, jamais il me rendra ma ville par contre. Jamais il me la rendra, je crois. Ça, c'est démesuré en termes de prix pour l'IA. Dans le calcul. Le temple des crânes. Non. c'est démesuré, vous vous rendez même pas compte. Si je fais ça, je me focus à fond sur Wurzak. Je l'achève et puis je reviens tabasser Arcane. En échange de la pyramide. Ah ouais, mais non, jamais je lui rends la pyramide. Hein. À la limite, il me prend le temple des crânes. Bon, certes, c'est chiant parce que c'est un point défensif. Mais bon, en stationnant une armée ici pas loin, je serai prêt au cas où. Je préfère avoir la pyramide noire, honnêtement, à choisir.
Oh, y a la tour noire juste à côté. Attendez, hein, y a encore des choses. Ah mais non, mais je reprends le temple des crânes avant. Si je reprends le temple des crânes, il sera encore plus enclin à signer un traité de paix. Et en plus, peut-être même que le traité de paix vaudra plus cher. Voilà. Voyez, c'est pour ça que vous me donnez des conseils, mais au final, c'est quand même moi le... Voilà. C'est moi qui décide. Bon. Est-ce que la tour noire... Ah, de nouveau, il y a une armée à l'extérieur qui me permettrait d'attaquer à l'extérieur. My servant fails me. Et un peu de tout là-dedans. Mais bon, la pyramide noire, il y a des beaux bâtiments là-dedans. Hein. J'ai envie de la garder, moi. Khemri, c'est sûr, je veux le garder. Il y a une mine d'or et tout, c'est juste beaucoup trop important. Après, faut espérer que cette armée-là vienne... Ah, putain, si cette armée-là vient, elle le prend, Khemri. C'est un peu le souci. Ben là, le problème, c'est que si Kroga va à la tour noire, je perds Khemri, je pense. Et si je vais à Khemri, je perds la pyramide noire. A priori, je vois pas comment... À moins que... Voilà, il peut se passer des choses avec Tic-Tac-Toe. Donc cette armée-là pourrait décider d'aller prêter main-forte contre Tic-Tac-Toe. Ou d'aller contre Manfred, je sais pas. Disons que à l'est, Khemri, il y a des chances, si je ne le renforce pas, que ça se passe bien vu qu'il y a Manfred et Tic-Tac-Toe. Alors que l'ouest, je suis sûr qu'il m'attaque la pyramide noire. Donc allons vers la pyramide noire alors. Allons vers la pyramide noire. De toute façon, il y aura des trucs qui pourront pas tenir. Oula. Alors de nouveau, il n'y a pas d'arche. Il n'y a pas trop de personnages non plus. Enfin, il n'y en a même pas du tout à part les seigneurs. Quelques catapultes, quelques saletés, mais... Enfin, je récupère la ville quand même. Vas-y! Affrontons-les! Les 15 patates. Oui, mais les 15 patates, après ce sera 20 patates. Il va me mettre 20 patates parce qu'il sera dans la merde. Donc il va me payer encore plus. Et j'aurai pris des villes en plus d'ici là. Non, c'est tout bénef pour moi de faire ça. Ah, on va changer de plan. Ouais, c'est un peu chiant ça. Pas terrible. En fait, il faudrait me décaler là. Donc faisons ça. Faudra venir faire une ligne ici, tac. Et en attendant, je les occuperai avec le reste. Donc, on va déplacer l'artillerie, gentiment. Comme ils en ont aussi de l'artillerie, je vais me planquer là. Oh, la petite forêt. On sera prêt à venir frapper l'arrière, c'est pas mal. Les Yamiboro contrechargeront pour pouvoir bloquer si besoin. Pour le reste... faudra se déplacer avec l'infanterie et l'artillerie pour se placer là. Et là par contre j'aurai une très belle position pour l'artillerie. Voilà, ils viennent pas parce qu'ils veulent attendre les renforts. Allez vous planquer. C'est moi qui les ai planqués. Planqués ! Vous bougez pas, hein. Je crois que je pourrais même les atteindre. Je pourrais même les atteindre directement, je pense.
Ah, ils sont pas planqués, eux. C'est parce qu'on n'est pas bien mis. Parce que là, il y a un Yamiboro qui est planqué, l'autre pas. Là, les deux Yamiboro sont planqués, mais pas les Carnots. Les Carnots peuvent pas. Attends, reviens, 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 reviens. Bah restez là, hein. Si jamais les chars s'approchent, on les déboîte et puis c'est tout. Ah, les cryptonautes qui sont en train de se mettre en position. Regardez-moi ce placement. On est un peu trop loin. Allez, avancez-vous encore un petit peu. Ça ne vous embête pas? Allez, où? Pas précis du tout ces trucs. Hein. Chayadi. Par contre, faut pas que j'épuise toutes mes munitions là-dessus non plus, quoi. Mais arrête de tirer, toi. Il y en a qui arrivent. Ok, on va peut-être demander d'arrêter là. Ah, alors là par contre c'est oui. Voilà, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir les Duradons, allez-y. Non, non, mais vous essayez de faire quoi là? Faire du verre soufflé? Voilà, là c'est pas mal. Ouais, par contre, la ligne de gardien, va falloir l'avancer un petit peu, sinon c'est trop facile à... sinon ça proc l'animation de combat au corps à corps des monstres derrière. Oh, bah tiens! Ah, ça m'arrange bien qu'ils le fassent maintenant. Allez, on les dégomme vite fait. Vous voyez celle-là? Eh, pas moi. Voilà, regardez comment on fait. Dommage. Attends. Là. Allez me chercher ceux-là. Pas trop qu'ils m'atteignent. C'est mon anniversaire! Attends, déconne pas, hein, toi. Merde. Décrocher. C'est pas bon, ça. Oh, y a trop d'anti-larges. On demande un bombardement. Oh, ça va loin. Piou piou. Piou piou piou.
Ah oui, oui, les Ushabti à arc. Ah, c'est oui, ça. On est reculé parce que vous allez vous faire coincer. Ouais, ouais, c'est ça, hein. C'est ça qui se passe. Piou, 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 piou. Ouais, le wargame, c'est vraiment un truc d'adulte, hein. Moi, j'aime bien ça. Pour les vrais. C'est pas encore fini ceux-là. Ils sont en effondrement, mais oui, mais bon. Hein. Pas fini de s'effondrer. Ah, ils ont pris cher. Reculer. Ah bah tiens, venez attraper ceux-là. Non, non, mais bande de cons. Mais putain, vous êtes des dinosaures, vous êtes censés avoir deux cerveaux, il y en a même pas un des deux pour vous dire de pas tirer sur vos alliés. Oh le con. Ok, fini ce truc. Attends, on va essayer d'attraper ceux-là si possible. Mais... Ah, il y a un seigneur qui vient de mourir. Allez chercher les Ushabti. Bon, tiens, Kroger, toi, tu vas te faire ceux-là. Ça, c'était pas fou. Ah, ça, c'est anti-large au corps à corps aussi. Scoo! Aïe, ça pique. Oh, il y a encore plein. Ça va, vous avez passé une bonne sieste? Casse-couilles. Ils peuvent tirer, oui. Mais alors tirer. On est pas loin du géant d'os. Mais il va avancer le géant d'os de toute façon. Attends, Kroger, j'ai besoin de toi là. Oh, les deux unités de harceleurs. Aïe, aïe, aïe. Allô? Il prend tarif lui quand même, hein. Ça marche un peu ça ou vraiment on s'ennuie? Enfin, de toute façon ils vont crever mais normalement ça va pas leur faire grand chose. Deux, trois PV. Ça leur a mis si cher, dis donc. C'est de l'infanterie monstrueuse, mais c'est censé être un petit peu blindé. Ouais, je pensais que ça leur ferait nettement moins, tiens. Ah, dites-moi qu'ils survivent. Je crois que oui. Ils étaient quand même encore 3. Ils avaient plus beaucoup de PV, mais ils étaient 3. 3 sur une unité aussi peu nombreuse, normalement ça le fait. Ah, ils ont passé leur meilleur game. Hein. Ils ont vraiment fait leur meilleure bataille, là. Ils étaient au max. Ils survivent. Elle est toute seule. Ok. Je crois qu'il en restait 3, mais il y en a 2 qui visiblement sont morts de chiasse fulgurante. Bon, bon, on va prendre la tour noire d'Arcane. Ah oui, les guerriers à bouclier. Voilà. Ah tiens. Oh, ce serait l'occasion de faire ça. Pas de bâtiment spécial ici.
Bon, c'est 1900. Au pire, je perds pas tant que ça. Eh, je suis plus qu'à moins 1100. Hein. Bon, après, si Khemri tombe tout de suite, chapique. Bon, on le récupérera vite au pire, mais quand même pas top, quoi. Ah, j'ai envie de prendre les Saurus à bouclier et de ne pas prendre que des Gekkolos là-dedans, parce que bon, c'est quelque peu abusif. Peut-être enlever les Hunters. Et ils ont quoi? Anti-infanterie, les carnivores anti-infanterie perce armure. Hunter, c'est pas ceux qui traquent, c'est les carnivores. Non, ils traquent pas. Ils traquent pas non plus. Je crois que je vais enlever les hunters. Et mettre une ligne d'infanterie à la place. Même, vas-y, hein, ceux-là, c'est une unité de tir. Comme ça, je les prends tous. Hop. Obsession. Mieux. Ah, il est là, lui. Ok, je vais protéger la grotte de Sotek, comme ça je suis sûr qu'ils la prennent pas. Temple à Nudor, nanana. Ok, donc lui évidemment il a décidé d'attaquer maintenant, de mettre la pression sur le sud. Ça pourra se gérer, il repartira après l'autre, c'est pas la peine de lever une armée pour ça. Ah mais oui, ça armit mes finances bien, puisque les Saurus sont moins chers. Pyramide noire de Nagash, pour l'instant, elle est safe, donc on va en profiter pour faire ça. Bon, allez, faut espérer qu'autour de Khemri... en fait, faut espérer que cette armée-là décide d'aller sur Manfred ou vers Tic-Tac. On ne sait jamais. Du coup, financièrement, ça va. Bon, après, s'ils prennent Khemri, oui, ça va être un peu moins festif, mais... Regarde, fera demi-tour. Sachant que je peux négocier la paix avec Arcane si je veux. Merci Shiparovi pour les 27 mois. Mais idéalement, j'aimerais bien signer la paix avec Arcane après avoir récupéré le temple là-bas. À l'est. Les bâtiments que tu répares pas, ils rapportent encore de l'argent? Oui, mais moins. Ils sont nerfés en fait. Qu'est-ce qui leur arrive? Menace stratégique. Ah, et quoi, je tape pas assez sur Kairos à votre goût? Ah bon? Ils ont pas attaqué Khemri? Oh, le miracle de Noël! Ils ont attaqué Manfred, apparemment. Oui, lui, il a pris Noumas, mais bravo! Bravo Tic-Tac. Oh là, je suis tenté de pousser, hein. Bon, il y a encore une armée, hein. Ah mais voilà, c'est Wurzag, il a attaqué Manfred. Donc il l'a battu. Mais là, Wurzag va peut-être se focaliser sur cette armée-là, hein. Ah, le temple des crânes, j'aimerais trop le prendre, mais c'est pas avec cette armée-là que je vais attaquer tout ça, quoi. Et vu qu'ils ont l'air de camper sur place... Ils n'ont pas l'air d'en avoir grand chose à secouer de ce qui se passe ici. Attends, plateau perdu. Non, on va d'abord faire le mont Arachnos qui est le plus au nord. Il va pas prendre trop de dégâts, ça va. On sera au massif de granit. Bah, on va les encercler.
Donc après, idéalement, il faudrait que je prenne Karagorud. Karagorud qui me permettrait de supprimer une place forte de plus à Wurzag. Et en plus de sécuriser mon flanc ouest dans les montagnes. Et après, je prends ça. Et là, je suis de retour dans les plaines de ce côté-là. Ah, la question, c'est qu'est-ce qu'il fait Krogar ? Oh, il s'est bien refait, Tic-Tac-Toe. Hein. Il a refait des armées un peu partout. Oh, vas-y, vas-y, attaque ! Oh, lui, il va être relou. Il va être très très relou. Enfin, au moins, il est parti vers le sud, ce qui fait que je peux repartir moi-même vers le sud pour aller voir cette armée-là. Mais il va être très 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 relou. Y a pas un truc pour limiter le déplacement des armées ennemies, là ? Autorité, chance de progression d'une peste, durée de la peste, chance de succès de l'action, usure, corruption moins 2, non d'utilisation, taux de recherche, chance de progression... Non. Ouais, forteresse de l'aube, les défenses sont niveau 4, et de toute façon... Je sais pas si l'armée est... Bon, ça va encore, c'est Gérard... Ouais, bof. Bof, bof, hein. Candorion, je vais peut-être pas claquer des trucs là-bas maintenant. Attends, c'est Manfred, ça? Ah non, c'est pas lui. Mais il a encore des bâtiments, lui? Ah oui, hein. Ah, il a Zandri. Ouais, vas-y, Wurzag, va le chercher, quoi. Qu'est-ce qu'il me faut pour le dragon? Pouette, pouette. Bah, il les faut tous, hein. En fait, je vais envoyer le minimum, puisque le but, c'est juste de faire la mission, et puis c'est tout. Herd exaction. Extraction. Oh là 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 là. J'en connais un qui veut sa fessée. Il met pas tout de suite. C'est rien, on va gérer avec l'armée qui garde le sud. Qu'est-ce qui quoi? Hein? Comment? J'ai pas compris. Oh! Oh! C'est les armées qui ont quitté le sud, ça? Le sud-est? Attends. Apparemment pas tout le monde, mais certaines. Attends, parce que du coup, si je recule, ça veut dire qu'ils ont lâché partiellement le temple. Est-ce qu'une avancée est possible par là? C'est le slan de feu, donc c'est celui qui est au sud. Eh ben super, évidemment qu'il allait trouver un endroit pour se faufiler. Oh non, de la peste machin. Ouais, le sud, ça va être un peu chiant. C'est le problème quand ils arrivent comme ça, d'un peu partout en même temps, c'est que c'est impossible et l'IA finit toujours bien par réussir à aller chercher une ville. Ah bon, ça fait partie de... Ça fait partie du problème d'avoir une côte qui est exposée à ce genre d'incursion. Et il faut leur courir après pendant 2000 ans. Je suis déjà étonné qu'il m'ait pas plus emmerdé que ça plus tôt au sud, en fait. Oh. Ah, dommage, j'ai pas l'attaque éclair. C'est arcane, hein. Il a quoi, lui? Oh, il a juste l'abîme de noirceur. Ah, mince. Pas à la portée ni pour l'un ni pour l'autre, ça c'est dommage. Ah, la wag qui vient d'être claquée et Khemri...
C'est peut-être là qu'il faudrait que j'ai une paix contre Arcane. Il la veut toujours bien en tout cas. Voyez, elle vaut plus cher. Ah, oh, ça serait le bon moment, hein. Ça serait vraiment le bon moment, hein. Parce que là, du coup, lui, il va vers Karagorud et hop, on enfonce Wurzag. Krokgar fait demi-tour pour aller à Khemri en quatrième vitesse. Je peux le défendre. Je peux arriver à temps. Probablement pas la pyramide noire, mais Khemri est plus important. Non, il faut faire ça, hein. On peut réessayer, mais j'y crois zéro. Moins 36, non, on n'y est pas encore. Hein. Je prends les 16 000 balles, il me fout la paix, c'est tout bénef. Donc, ça protège l'Est. Par contre, c'est embêtant parce que cette armée-là, elle me coûte cher et là, elle est plus du tout dans une zone de conflit et il va falloir très longtemps pour qu'elle retourne dans une vraie zone de conflit. Quoique, attendez, parce que Arcane, il pourrait faire une dinguerie. Hein. S'il se régénère un petit peu, il pourrait réattaquer dans pas longtemps. Donc en fait, j'ai pas trop le choix. Cette armée, elle doit rester là. Mais au moins, j'ai la certitude que Arcane ne va pas plus loin. Et tant que Arcane bouge pas, ça veut dire que lui, il peut avancer vers les peaux vertes tranquille, quoi. Donc là, on va protéger Khemri parce que bon, la mine d'or, tout ça. Ok. Ouais, et lui, il faut qu'il se démerde pour tenir le sud. Comme d'hab. Non. Là où Wurzag, il a pas les moyens de m'arrêter. Il a Tic-Tac-Toe et moi sur le dos, et Manfred, et cette fois, je suis focalisé sur lui, donc il saurait pas m'arrêter. Voilà, cette fois, c'est la fin de Wurzag. En fait, il a fallu calmer Arcane et lui mettre un grand coup de mandale, ce qui fait qu'il est reparti à la niche, et je vais pouvoir achever Wurzag comme convenu. Après ça... Soit je mobilise des forces pour attaquer Kairos, parce que Kairos est en train de revenir un peu. Mais Kairos, s'il se focalise trop sur moi, il va se prendre Gorok très énervé sur le coin de la tronche. Ah, ils vont tous les deux au même endroit. Parfait. Putain, ils ont 1 million de personnages. Il était sous un caillou! Oh, je l'ai vu! Eh ben, retourne-y! Par ailleurs... petit tour sur les armes. Oh, il doit y avoir mieux que ça. Armure du destin. Résistance ultime 10%, physique 5%, armure plus 5. Bon déjà voilà, on sera mieux avec ça. L'autre badine du trompeur, on s'en fout un peu. Bah si, c'est toujours ça. Hein. Puissance des armes plus 8%, dégâts perforants plus 100. C'est pas mal du tout. Bah voilà. Le bon stuff, toi, peau de sang froid, armure plus 3, résistance aux projectiles, 9%, ça m'intéresse beaucoup pour un slan. Ah, attendez, je suis désolé, je dois prendre. Oui. Sonnerie de boomer.
La sonnerie de boomer, lol, quel boomer. Moi j'ai Naruto quoi, moi je suis jeune moi. Je vais sûrement avoir une très très belle sonnerie. Elle est super ta sonnerie, t'inquiète pas. Tu savais que ta personnalité entière était définie par ta sonnerie. Fais très attention à ça. Parce que je vous vois là, hein. Je vous vois là, à croire qu'une sonnerie de téléphone c'est un truc anodin comme ça. Mais imaginez qu'elle se mette à sonner à l'intérieur d'un bus, ou dans le métro, ou dans la rue. Eh ben tout le monde sait qui vous êtes. Et là, là c'est le drame. Là tout de suite, d'un point de vue sociétal, si vous essayez de vous présenter à quelqu'un, vous êtes grillé, c'est déjà terminé. Donc faites très attention. Oh le plus 20 de réserve de vent de magie, c'est bien ça. L'âme géante, mais pour lui, on s'en fout. Résistance ultime, 16%. Ça, c'est toujours bien pour essayer de les aider à survivre. Ou en live. Rabat-on interdit, ça fait envie aussi, mais bon. Le cube des ténèbres, c'est pas un truc super aussi, celui-là ouais, bof. Enfin, oui, c'est sympa, mais... Non ! Tout le monde va savoir que je suis un boomer. Arrête. Alors je vous jure, je vous jure, je vous jure, je suis jeune. Je vous jure, je bois des mojitos le week-end. Bon, pas plus de deux parce qu'après j'ai mal à la tête. Mais je vous jure, c'est vrai. Même que des fois je cours. Sans tomber. Je vous jure que c'est vrai. Oh, j'en avais du merdier. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas regardé. On va regarder ce qu'on récupère de beaux collets de glyphes, c'est quoi? Résistance ultime 8%, oui, on peut faire mieux. Pierre de l'aube, résistance physique 15%, pareil, on pourra faire mieux. Va peut-être faire un tour pour rééquiper un petit peu tout le monde, parce que là je crois que j'ai de quoi mettre chez tout le monde. Attaque destructrice et puissance des armes plus 20%. Ça c'est beau ça. Ça c'est pas un truc de boomer ça. Épée sanglante. Oh ça c'est pas un truc de boomer non plus. Ça, c'est trop pas. Trop pas. C'est trop pas boomer ça. De toute façon, vous le savez très bien que je suis pas un boomer quoi. Ou bé. Ah, franchement, si vous voulez que je vous prouve que je suis pas un boomer, je peux hein. Wesh. À quel moment il y en a qui commencent à décéder de malaise dans le chat? Merci Disty pour les 6 mois. Lentement mais sûrement. Très certainement. Ah mais dans les auxiliaires aussi j'ai du monde. Objet enchanté. Pas de talisman. L'autre badine du trompeur. Mais non, 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 pas ça, pas lui. Non, mais lui, c'est bon, il a ce qu'il faut. Il a un point, par contre.
Pareil, il faut aller chercher l'attaque éclair. Oh, il a rien. Ouais, le résistance ultime, machin. Tatin. Parchemin vampire. Oh, c'est vraiment nul. Hein. Ça dure quand même 44 secondes, mais vraiment, c'est tellement anecdotique. Limite, le parchemin d'explosion est plus intéressant. Résistance aux projectiles 8% comme bannière, ça c'est cool. Bonus de charge plus 25%, c'est cool aussi. Bannière de la flamme éternelle, ça marche toujours bien. Taux de reconstitution, c'est un oui. Entretien moins 10% pour la cave. Portée de déplacement et coût de recrutement moindre. Un grand oui aussi, ça. Toi, t'es qui, toi? Les crayons. Attends, lui, il va avoir besoin de... Voilà. Dégâts perforants plus 60, puissance des armes plus 8% permet les attaques magiques. On va lui laisser ça parce que c'est quand même bien. Le résistance ultime 16%. Plus 10. Elle va piquer. Et la résistance au sort moins 20 autour de lui, comme ça quand il va dans la mêlée, bon. Ah oui, mais le porté de déplacement, lui, c'est comme c'est un perso, c'est pas très intéressant. Mais enfin, coût de recrutement moins 10% au cas où, c'est vrai que pourquoi pas. Capacité de puissance de vente magie plus 10. Chance de dérober un objet post-bataille, ouais. Ah, taux de reconstitution. Taux de recherche plus 10%, c'est cool aussi, ça. Attaque magique, attends, il a pas déjà, lui? Ah non. Capacité de vente magie. Ah, oh, si ça se cumule, tout ça. Si ça se cumule, c'est fou. Wesh. C'est dingue, wesh. Si mes enfants m'entendent causer comme ça, je vous jure que je vais l'entendre pendant 2 mois. Je vais y avoir droit. Il serait tellement en mode. Really? Oh, il va y avoir droit. Attends, faut quand même l'attaque éclair, ça servira à rien. Ouais, faudra faire quelque chose pour la corruption là. Corruption moins 8. Asie. Ah oui, c'est vrai que je peux recruter les gardiens des temples. Si je fais le bâtiment qui va avec, ce serait quand même con de pas le faire. Tournoi d'Arcane. Qu'est-ce qu'on en fait? On va mettre un peu plus d'autorité pour que ça tienne correctement. Je suis à moins 500. Bah, ça va. Ça va, c'est pas dramatique ce qui s'est passé. Juste le temple des crânes qui est un peu chiant d'avoir perdu, mais à part ça, c'est ok. Ça, c'est une belle prise aussi, ça. Comme point stratégique. Oh, nice. Vaudrait peut-être le coup... Tiens,
Alors, je pourrais peut-être le garder pour en faire un bâtiment à moitié militaire, enfin une province un peu militaire et tout. Il y a quoi lui dans l'armée ? Bon, lui, il est déjà bien fourni, hein, y a pas de problème. Mais on va laisser ça comme ça. Pouette, pouette, pouette. Ok, ah voilà, parfait, ça je peux faire parce qu'il faut impérativement protéger la ville. Source de la vie éternelle, c'est légèrement plus bas. Oh, Tic-Tac-Toe qui arrive avec plein d'armées. Oh ouais, Urzag, il va tellement déguster là maintenant. Arcane n'est plus là pour le protéger, pour lui servir de bouclier. Eh, viens là toi. Ah bon? Ouvrir la fenêtre devant l'école et leur dire qu'ils ont oublié leur sac à tartine. La tour. Ah bah oui, c'est vrai, vu qu'il est tout il est tout dans la merde lui, forcément il me propose des traités pacte de non-agression et tout quoi. Mais attends, il a peur de quoi? À chaque wesh du papatron, un stagiaire convulse. Durée de construction plus 25%, mais coût de construction moins 30%. Ah non. Là, je confirme que ça m'intéresse pas. Money is not the problem. Oh, l'enfoireux. Oh, le casse-couille de première. C'était Kurtz. Oh, la savonnette. Bon, après, vu ce qu'il reste dans son armée, il peut rien faire, il peut aller nulle part, mais bon. C'est quand même un sacré casse-couille. L'IA Savonnette, c'est toujours un immense plaisir aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait de lui? Parce que là, vraiment, on peut préparer une attaque... sur Urzag, hein. Peut-être attendre juste un tour que Tic Tac passe devant. Je vais quand même m'avancer parce que là, si je me fais attaquer, je peux de toute façon reculer. Peut-être faire pareil avec Tic Tac Toe, non? Il est où l'autre? Va un peu voir à l'ouest. Ah mais c'est Manfred! Ah oui, il est vraiment en train de crever l'autre. Oh, c'est le moment, faut lui faire mal, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, moins de chances de propagation d'une peste aussi, ça m'intéresse ça. Faut l'enfoncer! Il y en a beaucoup des agents de Tsinch. Ouais, il y en a quand même quelques-uns, ouais. C'est à quelle heure ce soir l'essai Stellaris? 20h30 à peu près. Dès que j'ai terminé ma sieste post-repas du soir. Dès que je reviens du skatepark, wesh. Dès que... ouais, je vais peut-être... peut-être bien aller me faire un petit ride, là. Je vais rider cet après-midi avec les potos. Je convulse.
Linkin Park à fond. Je m'éclate. Oh, ça c'est gentil ça. Bah, c'est gentil de protéger Kemri, mais... Ouais, vas-y, je vais marcher vers l'autre. Halt. Stopper les rotatives. Ça fait beaucoup, ça. Arcade, il va pas me laisser tranquille longtemps. Enfin, quoique, non, si, vu que je m'entends bien avec lui. Mais il va attaquer qui? Il est en guerre contre personne. Non, mais c'est pas possible, il va se trouver quelqu'un. Il va attaquer Wurzag. Comme Wurzag faiblit, il va peut-être lui déclarer la guerre. Hein. C'est possible. Il est parti, l'autre? Ah, il s'en va. Par contre, il y a Kairos qui revient. Comment ça, il a pas la portée? Il l'avait avant. Hein? Qu'est-ce qui a changé? Regardez-moi ça, quoi. C'est quoi tous ces agents du chaos? Je croirais sur CNews. Bon là, si je suis planqué, l'autre aussi. Ouais, lui, ça marchera jamais par contre. Mais lui, il peut se replier, ça, y a pas de souci. Il peut se replier, donc il n'y a pas trop de problème. Au pire, il attire... En fait, est-ce qu'il vaut pas mieux qu'il reste visible pour attirer les armées à lui, ce qui permettrait à Krogar d'avancer? Mais quoique non, ce qu'il faut, c'est attraper les armées adverses pour pouvoir taper avec l'attaque éclair. Et lui, il en est loin. Mais quand même... Obligé d'esquiver le héros, ils prennent une place sur la carte de campagne. Quoi? Ah oui, l'armée est obligée de se faufiler entre les héros, c'est vrai. Ah oui, ça a dû me faire perdre le... Merde, il avait reçu l'ordre dans son GPS! Oh, il a suivi en pilotage automatique. Ils peuvent peut-être pas tous suivre. L'armée est costaude quand même, enfin c'est pas Krogar. Hein. J'ai que 2 Kryptonautes, 3 de Juradon certes, mais ouais, pour les Arax du coup ça marche bien. Il y en a quelques-unes. Le problème c'est les orques noirs. Ah mais j'ai le Thunder Lizard. Ah il est vrai. Il est vrai. Avec 2 Bastiadons à cristal de renaissance. Ça mérite un wesh. Mais qu'est-ce que j'ai fait de vous? Qu'est-ce que j'ai fait de nous? Par contre, il est quand même full avec ses trucs de feu, donc... Ah, plus le bannissement gratos, hein. C'est quand même pas n'importe quoi. Ah, lui, il est toujours à pied, par contre. Dommage. Le Thunder Lizard. Ah, regardez, ils font un safari animalier. On dirait les touristes sur le côté des jeeps qui prennent des photos des lions. Tout ça pour venir rentrer chez eux et expliquer à Tata Georgette et Tonton Freddy qu'ils ont vécu le grand frisson à aller voir les fauves depuis leur 4x4 en Afrique. Ça a dû être un moment incroyable qui a remis toute leur existence en perspective. Bon. Il a le déploiement d'avant-garde, lui. Ah bon? Mais t'es à poil, fais pas le fou. Bon, Thunder Lizard, ce sera quand même bien de pas claquer trop de ressources, trop de munitions, pour rien, quoi. Pareil pour eux. Kryptonautes, par contre, j'ai envie de dire, à la limite. On va éviter de balancer des trucs pour rien.
Alors ce qui est bien, c'est qu'on a masse soin avec les deux cristaux de renaissance. Faudra les claquer tout de suite. Il y en a 7 chacun. Et comme la régénération de la capacité prend un certain temps. Ah oui, il y a lui aussi. Ah non, faut pas la négliger cette armée quand même. Ah mais ils ont un plongeur de la mort. On va demander aux cryptonautes de s'occuper de ça. Balance-nous une petite salve là-bas pour voir. Voir si ça vaut le coup. Ça va toucher un peu les orques noirs probablement. Voilà. Un peu les trolls. Ouais mais non, ça vaut pas le coup. On va attendre qu'ils soient un peu plus nombreux. Bonk. Toi, tu vas soigner lui. Toi, tu vas te soigner. Il peut pas s'auto-soigner, merde! Pas encore fini? Oh, ils abusent, là. Oh, on n'est pas loin des Araques, là. Je devrais m'avancer encore un peu. Attends. Vous. Tac, 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 tac. Venez. Ici. Ça y est, c'est bon. Arrêtez. Bah, tant qu'ils bougent pas, cibler les orques noirs, moi, ça me va. Et là, eux, ils vont venir, hop, faire frire celle-là. Oh, après, en un seul coup, le chef orc qui disparaît. Hein. Ah oui, du coup, on va se préparer à flanquer là-bas, tiens. Un peu trop loin, il y a quand même beaucoup de projectiles perdus. Bon, ils arrivent. Allez-y hein. Ouais. Oh oh. Et vite. Ouais, tu peux tirer maintenant hein, vas-y hein. Toi plaise. Essaye de faire frire celui-là pour voir. Pas tirer l'autre. Ah voilà. Incoming. Alors beaucoup de monde et les munitions des cryptonautes diminuent. Et je vais emmerder un peu ceux-là juste histoire de... Ok, il y a une ara qui prend cher mais il y en a 4 en tout. On n'y est pas encore. Il faut que je me prépare vraiment à taper le flanc avec eux. Lui peut être très bien pour déboîter les chars. Le Gekolo Prime. Est-ce qu'on arriverait à toucher celui-là? Ça serait beau ça. Il s'éloigne. Alors laissez tomber. Oh oh oh. Oh, on a failli! Ils font le tour? Ils font le tour.
Qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Je sais pas trop là. Tout le monde tire hein, là. Bon, ils font le tour mais ils sont pas pressés. Oh, regardez celui-là. Tiens, jetez-vous des crottes de nez. Attention à la boule de feu. Regarde la boule, regarde la boule, regarde la boule. Paf. Oh, la boule. Ah bah oui, bah, fallait la regarder. Hein. Ah voilà. Dommage. C'est dommage, c'est dommage. Non mais toujours regarder la boule quoi. Pas anti-large lui. Ah si. Allez chercher ça. Peut-être même qu'il pourrait tomber une arak à eux tous. Allez jette-le. Bastiadon, rapprochez-vous de la zone. Toi, fais pas le fou, tire sur les archers. Allô ? Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'ils vont s'en sortir. On va booster un peu leurs dégâts, eux. Bon, vas-y, va au corps à corps. J'ai peur, là, s'il va pas. Là, c'est pas mal. Oh, plus de vent de magie, vraiment! Ah ouais, comme ça. Non, 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 encore, 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 encore. Tire pas, tire pas, tire pas. Attends, 0-0? Ah oui! Ouais, c'est complexe ici. Reculer. Bon, le Thunder Lizard, il va piétiner comme il faut, mais... Merde. C'est compliqué. Faut que je sépare un peu les Duradons pour pouvoir taper. Reviens un peu par ici toi. Il y a une unité qui est mal là. Faut qu'ils reviennent. Alors attends. Ouais, il y a l'unité là qui est très mal. Si elle peut reculer suffisamment loin, je pourrais la soigner, éventuellement ressusciter des combattants morts. L'autre, il a pas encore récupéré. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai perdu en DPS énormément, là. Ok, faut... Ah, merde, ils ont été coincés, eux. Faut que la cave, elle revienne. Ah, là, c'est pas mal. Allez, chargez ça. Bon, le Thunder Lizard, il fait son taf, mais... On pourra pas tout faire non plus. Oh, il est joli, celui-là. Recule-toi. Petit bannissement. Peut-être pas l'idéal, mais au moins là, il est safe. Normalement, ce qui arrive, c'est du plus léger, là. Ce qui serait éventuellement bien, c'est que le Thunder Lizard puisse se remettre à tirer. Pour ça, faut qu'il se désengage, quoi.
Ouais, là, c'est pas le délire. Hein. C'est pas le délire du tout, même. Les chars, là, ce serait quand même bien qu'ils viennent pas. Voilà, pas mal. Faut le soigner. Ok, dans 15 secondes, je peux. Je vais essayer de le remettre à l'arrière. Ah, comment ils prennent cher. On va choper ça. On va essayer de regrouper les trois de Juradon là-bas. Regroupage, regroupage. Ah, quel dommage de plus avoir de vent de magie. Vas-y, fais-toi plaisir. Oh. Bah vous avez une cible toute désignée. Voilà. Ça que je veux voir. Là, on est bien, là. Il reste du soin, il reste du soin. Éventuellement, sécuriser un petit peu ceux-là. Là, faut vraiment que tu balances des trucs à gauche, à droite. Bon, les gobelins, voilà, ça tape le moral, là. Parfait. Voilà! Fuyez! Oh, dommage que j'avais pas plus de vent de magie que ça. Ouais, le Thunder Lizard, il sécurise quand même bien. Il a pris quand même beaucoup de dégâts, mais il se fait encercler beaucoup, du coup il prend beaucoup de dégâts. Merci les Juradon quand même. Hein. Il tire tellement loin. Plaisir de fin gourmet, ça. Merci Shrilak pour les 23 mois. Les unités doivent coûter une couille en entretien. Bah même pas tellement. Alors, les Kryptonautes et les Juradons sont scandaleusement peu chers pour leur efficacité. C'est les meilleures unités du mode. C'est les unités les plus puissantes du mode, honnêtement. Par rapport à leur prix, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux par rapport au prix. Lui, déjà, il existe en exemplaire unique. Et il n'est pas si cher que ça. Mais c'est exemplaire unique. Les unités modées sont pas trop OP. Si, elles sont complètement OP. Elles sont encore pires que le jeu de base. Mais ici, avec les invasions et le fait que les peaux vertes sont devenues très très forts, bah ça s'équilibre bien, ça fait une belle campagne parce que... il a fait 1800. En fait, ça fait une très belle campagne parce que certes, les unités que j'ai sont complètement OP, mais les adversaires que j'affronte sont tellement balèzes et tellement nombreux que bah au final, ça s'équilibre. Donc voilà. Merci Uldur pour les 2 mois aussi. Ok, il est sur Terradonte. Laka avance. Oh, Manfred. Par contre, ils se sont brisés sur cette armée-là. Donc, c'est bon pour moi. Il a ramené un Juradon, l'autre, sur son dos. Par contre, j'ai perdu un gardien du temple. Ça, c'est désastreux. Faut que je me casse, hein, par contre. Je vais être sur mon territoire, je vais pouvoir me refaire. Tac, tac. Ah non, mets les 2 points là-bas. Ah non.
Reconstitution et accroître le revenu. Tiens, le petit bonus là. Karagorude, prends ça. Ok. Pourquoi il stack encore ses armées là-bas? Ah bah oui, il a pas d'ennemis, il sait pas quoi faire. Oh, le 2500 de revenus, vraiment. Krogar, il peut avancer. Bah attends, viens, on va se mettre là. Okay, on va reprendre les vents de magie qui restent. Hein. Je peux monter jusqu'à 155. Merci Satritix pour les 15 mois et merci Xankun pour le sub. Bienvenue. Dans combien de temps je peux l'attaquer sans qu'il pète les plombs lui? 8 ou 9 tours 8 ou 7 tours. Oh, par contre, les armées du chaos qui vont jouer la savonnette à l'infini. Il a réussi à aller là, ce couillon. Ah bon? Ah bon, de toute façon, je vais m'arrêter là pour cette fois, Tutube. Et prochaine fois, Urzag, il tombe, hein, c'est promis. Hein, cette fois, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Allez, bisous.